Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 28 et il est 8h du matin, je suis déjà réveillée alors que tout le monde dort encore. Franchement je me suis réveillée à 6h moins le quart, mais c'est quoi ce gros délire, on est dimanche. Et moi à 6h moins le quart, j'ouvre les yeux et je me suis dit je vais essayer de me recoucher, mais impossible. Du coup je me suis levée, j'ai ouvert partout, j'ai pris mon petit déjeuner, là je viens de terminer mon café. Je vais aller réveiller les autres, puisque j'aimerais aller chez Gamme Vert et me reprendre une plante. Il faudrait que j'aille chez Leader Price pour reprendre deux petites bricoles pour manger cette semaine. Et normalement en fin de journée on va à la mer, puisqu'il devrait faire beau normalement. Donc voilà, j'ai ma belle-mère qui est à la maison, elle est venue passer le week-end avec nous. Et voilà, ça va être une journée assez sympathique. Hier j'ai bossé, j'ai terminé à 16h. Et du coup aujourd'hui, hier je n'ai pas pu prendre ma caméra. Et aujourd'hui je me suis dit, je vais faire un petit vlog quand même. Pour mes abonnés, je peux au moins faire ça. En sachant que franchement, je m'approche de plus en plus des 400 abonnés. C'est génial, c'est un truc de ouf. En fait, en 2 mois, j'ai pris 100 abonnés et je suis ravie, puisque ça veut dire que ce que je fais, ça porte ses fruits et j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Les chiens, ils sont en folie. En fait, il y a un lézard sur le mur. Là, vous ne le voyez pas, il est juste ici, juste là. Et en fait, Joy, la grosse, là, la vache, elle est en panique. Puisqu'elle voit un lézard, mais elle est au bout de sa vie. Je pense qu'elle a envie de le déglinguer. Et là, tous les deux, mais ils sont vraiment en mode chasse. Hilton, il essaye de se calmer, mais bon, faut pas grand-chose pour l'exciter. Et là, du coup, je pense qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'il bouge pour essayer de le choper. Bon, en même temps, il risque pas grand-chose. Le lézard, il est sur le mur, mais c'est trop marrant. Ils sont tout le temps comme ça. Et là, ça fait genre une demi-heure que je les entends s'affoler. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un lézard. Bah oui, voilà, je sors et... Attendez, je vais essayer de zoomer pour voir. Il est là, regardez. J'adore. Quand je dis j'adore l'action. J'adore pas les lézards. Les lézards, je peux pas. Tant que c'est loin, ça va. Mais qu'ils ne s'approchent pas de moi. Non, ça, je ne peux pas. Bon, je vais aller réveiller les autres. On arrête de blablater et on se bouge. C'est dimanche, il fait beau, on se bouge. Oui. Regardez. 8h05, presque 8h05. C'est l'heure de se réveiller quand même. Bon, allez. C'est pas gentil, mais je vais aller les réveiller. J'aime bien être toute seule le matin, mais à un moment donné, faut que la maison vive. Et moi, toute seule, à moi toute seule, je ne peux pas faire vivre la maison. Voilà. I love the way your hair looks, the way you giggle at my bad jokes. Summer nights when we just post, as the sunset on the Gold Coast. The way you look with your eyes closed, laying on my chest wearing my clothes. Blowing smoke out the window as we roll down to San Diego. And don't you think it's crazy how we made it here? Look at us now. If you're ever feeling low, it's something that you gotta know. Cause even if the world comes crashing down, I'll be there for you. And even if the sky goes up in flames, yeah, we'll make it through. And at the end of it all, at the end of it all, I'll still be there for you. Coucou tout le monde, nous sommes en début d'après-midi, ou non, nous sommes en milieu d'après-midi, il est 15h, et là on va se préparer pour aller à la plage. Il y a ma belle-mère qui retouche mes rideaux, puisqu'il y avait besoin de faire les ourlets sur les rideaux, enfin la paire de rideaux qu'il y avait dans la chambre de ma fille, et également dans la chambre d'amis. Donc elle est en train de s'en occuper, elle en a profité pour ramener sa machine à coudre.
Donc elle s'occupe de ça. Et là, j'ai préparé ma petite. Je vais la mettre en maillot. Je suis essoufflée. Ce matin, je suis passée chez Mac. Et donc, je me suis pris le fixe, la brume fixante. Voilà. Et je me suis pris un highlighter. Regardez, vous voyez comment il brille là? C'est beau, hein? Voilà. Et joli rendu, je l'ai testé, très beau. Bon, ça pique un peu, hein, 54 €, mais bon, c'est Mac, c'est de la qualité. Pour mon mari, on lui a pris, vous savez, des masques là pour regarder sous l'eau qui vous permet d'avoir une vision à 180 degrés, qui vous permet de respirer, etc. Bon. 40 €, hein, 39,95 €, c'est un peu cher, mais c'est un investissement. Et il adore regarder les poissons sous l'eau, donc voilà. Et à la pharmacie, j'ai pris quelque chose de nécessaire et utile, des cotons, quoi. On en a toujours besoin. Et comme moi et ma fille, on en utilise énormément. Voilà. Et là, je vais lui mettre son petit maillot de bain. On va où? On va à la mer. À la mer, eh oui. Allez, on se prépare et on y va. À plus tard. Il est 16 h et on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde parce que là la plage est réellement bondée. Pourtant demain c'est la rentrée et on pensait qu'il allait pas avoir beaucoup de monde spécialement vu l'heure, vu que demain bah, faut préparer la rentrée scolaire, mais en fait non, ça n'a pas dissuadé les gens et du coup c'est blindé, mais il fait bon, il fait beau. Le soleil commence à se coucher, enfin, il est en tout cas un peu plus bas, donc c'est agréable. Et tout va bien. Ma petite est dans l'eau avec sa mamie, elle s'éclate. Ouais, donc là, je vais aller rentrer dans l'eau. Ce midi, on a mangé un carré poulet et c'était une tuerie. C'était super bon. Ça va, chérie? Waouh! C'est pas un coquillage, ça, c'est une moule. Hein. C'est vrai. Ça, c'est une moule sans les frites. Tu vas dans l'eau avec mamie? Viens, on va dans l'eau toutes les trois. Ouais, t'as la mer? Oui, c'était chouette. Tu t'amuses? Oui. Qu'est-ce que tu manges? Chouette. Un pain au chocolat. Eh oui. Je ne l'avais pas montré, mais ce matin, c'est cette plante que j'ai achetée chez Gambert avec ce petit pot là, tout rond. Et que j'ai décidé de mettre sur ma table à manger. Et en fait, celle que j'avais mise ici hier, j'ai mise là-bas, près de l'évier. Regardez. Et là, j'ai mon mari qui nous prépare à manger. Il va faire un sauté de poulet avec des carottes, des chouchous, du gros piment. Là, je crois que c'est des pousses d'haricots, ça. Des germes de soja. Ah, des germes de soja. Il va faire ça donc au wok. Et voilà, il y a ma petite qui est devant la télé là, qui est de mauvaise humeur parce que la piscine, parce que la mer ça crève. Donc voilà. Et là, il est 18 h 30. Donc à la plage tout s'est super bien passé, on a eu beau temps. Au fur et à mesure il y avait de moins en moins de monde, donc c'était agréable. Là j'attends que ma belle-mère elle ait fini de prendre sa douche et puis je vais aller prendre la mienne. Le temps que mon mari prépare à manger, et puis j'ai ramené ma petite prendre sa douche également. J'espère que ce vlog sera sympa. Je verrai au montage et
J'ai commencé ce matin et puis des fois je me disais, ah mon vlog, faut que je pense à prendre ma caméra, enfin bref. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque bientôt nous serons 400 et je vous dis à très bientôt. Ciao!